suis extrêmement peinée de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mélanie et de Greg. Vous avez forcément dû en entendre parler sur les réseaux sociaux. Hier au soir, Greg a décidé de s'exprimer à cœur ouvert sur Instagram et sur Snapchat et il était littéralement en pleurs. En effet, il y a quelques jours, suite à un booking, il s'est passé quelque chose avec une fille et cette dernière lui aurait demandé des sommes astronomiques d'argent. Face à l'ampleur de la situation, Maeva Genam, son ex, avait décidé de réagir sur Snapchat et également son ex Mélanie a décidé de prendre la parole. Dans un premier temps, elle avait décidé de s'exprimer en publiant un texte dans sa story. Puis, face à l'ampleur de la situation, Mélanie a décidé de prendre la parole et elle était vraiment en larmes et sous le choc. Je vous laisse sans plus attendre avec la réaction et les explications de Mélanie. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, moi je suis un peu chaos, c'est normal, je suis rentrée tard cette nuit. Et puis j'ai connu des jours meilleurs en vue de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. J'ai connu des jours meilleurs, maintenant je me suis exprimée sur le sujet. Je ne le ferai pas davantage, mais voilà, je me suis exprimée. Il y a des gens qui ont compris là où je voulais en venir, il y a des personnes qui ne m'ont absolument pas comprise. Ok, chacun est libre de penser comme il le souhaite, mais voilà, je m'exprimerai pas davantage là-dessus. En tout cas, sachez que je suis extrêmement peinée de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. Et je suis surtout extrêmement peinée de voir à quel point les gens ils sont capables de partir loin dans des inventions et dans des trucs de fou pour arriver à un but, mais un but de merde. Votre but, c'est de la merde. Voilà, c'est tout.